Janet McLean a été découverte avec des contusions, une légère commotion et une rupture du tympan. Vous ne croyez pas que ce sont tout de même des indices suffisants pour affirmer que c'est une femme battue? Ou frappée pour faire croire à cette version. Par qui? Elle-même. Vous voulez dire qu'elle a tiré sur son mari et qu'elle s'est jetée ensuite du bas de l'escalier pour faire croire à la légitime défense? Pourquoi pas? Vous êtes un avocat très doué, Maître Alstrom. Merci. Seul un avocat extrêmement doué pourrait convaincre des jurés que Janet McLean, sans aucune provocation, a agressé et gravement estropié son mari pour la vie. Mademoiselle Ballin, voudriez-vous imaginer que vous êtes devant la cour avec le dossier complet de l'affaire et non pas avec une version de presse abrégée à laquelle vous faites référence? J'ai lu le dossier complet de l'affaire. Et rien dedans ne dément que le mari de Janet McLean avait pu l'attaquer d'abord. Son avocat a plaidé la légitime défense et a perdu le procès. Elle avait un avocat nommé d'office, de 26 ans, qui sortait juste de la fac de droit. Il a été inscrit au barreau? L'année dernière. C'était sa seconde affaire. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle essaie de le coincer? Influents contrôlent les carrières des gens appelés comme jurés. Puis-je vous faire remarquer que vous êtes à deux doigts d'être inculpé pour diffamation? Nom de Dieu! Ne croyez-vous pas que la morale la plus élémentaire demanderait que le procès soit reporté? Passez sur la caméra 2. Dans certains cas, un changement de programme peut changer. Passez sur la 2. Seriez-vous prêt à discuter de cette affaire la semaine prochaine avec son nouvel avocat? Je ne savais pas qu'elle en avait un. Et si, depuis 3h15 cet après-midi, William Croft Davis a accepté l'affaire? Et une souscription a été lancée pour sa défense, à laquelle j'espère bien être une des premières à contribuer. Tu es folle? Hein? J'ai le sentiment d'avoir fait une bonne action. Tu as fait le procès de ce salaud. On devrait lui faire un procès. Ton rôle n'est pas de prendre parti, tu le sais. C'est quoi mon rôle au juste? Oh. Ce que j'ai fait, c'est donner une chance à quelqu'un qui n'est peut-être pas coupable. Déborah. Tu fais une grave erreur. Je ne fais pas d'erreur. Écoute, je dois faire le plein avant de me battre. On va manger, hein? Allez, tu viens? Je vais me venger en te faisant payer le repas. Il faut que j'appelle Francine. Tiens. C'est vraiment bête. J'aime pas les règlements de compte. Je trouve que ça fait pas professionnel. Chut. Francine, vous êtes bien entrée? Ah bon? Écoutez, le living est un véritable champ de bataille. Oh. Il y a du cognac sur le... Je n'ai pas dit que je voulais que vous frottiez les tapis. Je vous demande d'enlever quelques verres, d'accord? Elle a toujours cru qu'elle était invitée. Écoutez, je ne rentre pas ce soir pour dîner. Ah bon, je le ferai. Au revoir. Pourquoi tu la vires pas? Ça ne va pas tarder. Déborah, je ne peux pas passer ça à l'antenne. Non, attends une minute. Je suis folle de rage. On ne t'approche pas. Tu admets que tu as eu tort et tu ne comprends pas ma position. Oh, voyons. Viens, on va en parler en dînant. Je te raccompagne chez toi si je tu veux. Je ne veux pas aller chez moi. Je veux marcher. Attends une minute. D'accord, marche. Francine?
Bon, j'abandonne. Oh, j'abandonne. Dans ton propre lit. Bon, j'en ai assez. J'en ai assez. Oh merde. Ugh.
Il l'a loupé de quelques centimètres. La paroi musculaire est drôlement endommagée. Nous avons quoi sur les gammagraphies? Il y a une vilaine fracture ouverte de l'humérus. Va falloir aller voir. Il l'a mise dans un drôle d'état. Elle peut supporter l'opération? Pas encore. Halt! Oh, je suis contente que vous ne rentriez pas tard. Vous savez ce qu'il passe? Meurtre sans limite. On se retrouve dans ce pétrin. Je n'y avais qu'un petit bout de rôle. C'est un des premiers films que j'ai fait avec la monogramme. J'ai cherché ma lettre dans le Times ce matin, mais bien sûr, ils ne l'ont pas imprimée. Oh, je sais que vous, vous passez votre temps à écrire un peu à tout le monde, et vous avez bien raison, car personne n'écoute. J'ai quand même reçu une lettre onéotypée de mon député une fois. Oh, c'est une nouvelle danse. On vient juste de l'avant. Toujours timide. Mauvaise habitude de croire qu'étant donné les progrès extraordinaires que l'on constate tous les jours dans le domaine médical, tout va bien dans la médecine. Et on n'imagine pas que les médecins ou le personnel paramédical puissent avoir des revendications. Oui, et c'est une erreur. De quoi avez-vous le plus besoin en tant que docteur? Avant tout d'intimité. Nous vivons dans une société aliénée où la plupart des gens ont oublié le contact. Ils ne savent plus avoir un moment d'intimité avec quelqu'un d'autre. Et à l'Institut, nous enseignons une forme importante de l'expression. L'hostilité réprimée est souvent exprimée dans des préjudices cachés. Ou les deux. Vous êtes donc persuadé que c'est l'hostilité réprimée qui entraîne ces débordements? C'est le principe de la compassion. Sans soupape, vous avez toutes les chances de cette vie. Bonjour. Vous êtes Conti Général Hôpital. J'ai soif. Vous vous sentez en forme pour parler? La police est ici. Je veillerai à ce qu'il soit bref. Mon état est grave. Vous allez bien. Le docteur vous expliquera. Vous avez beaucoup d'amis, ou vous connaissez beaucoup de fleuristes. Je suis au courant. Donnez-moi une seconde. Bien sûr. Mon visage s'est fait une glace. Une glace. Mon visage a une... Parfait. Vous êtes belle. Je crois pas. Mais pour qui le serais-je? Envoyez les clowns. Messieurs. Merci. Juste 5 minutes. Madame Baline, ce ne sera pas long. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne me rappelle pas grand-chose. J'ai un nouveau système de cotation intime. Hmm? Tu sais ce jeune interne? Et celui avec qui je suis sortie, le docteur Harvey. Hmm. Je lui ai donné un 2 et il méritait un 0. Au lit, il pleure. C'est mieux que s'il avait le fou rire. Est-ce que le 901 et 907 sont prêts? Allez, on y va. En route. Bon. Et je te jure qu'Oli, il pleure.
On ne me demande pas pourquoi. J'ai éteint la lumière. On a commencé à faire l'amour. Et il s'est mis à pleurnicher. C'est dingue, non? C'est un médecin accoucheur. Ben, laisse pas tomber, il sera peut-être utile. Les humelles en préop. Les humelles en préop. Connie, ne laisse pas tomber ça dans n'importe quelle main. Tu as besoin de fleurs? Étant donné les circonstances... J'ai pas l'air trop mal. Prends la bonne. Tu sais à quoi je pense? Si on n'avait pas eu cette dispute, tout ça ne serait jamais arrivé. C'est vrai. Est-ce que t'as vu ce qu'il a fait, Francine? Je sais, je sais. Quel salaud! C'est un beau salaud. Chut. Pourquoi il s'est pas contenté de prendre ce qu'il voulait et puis se tirer? Pourquoi est-ce que... C'est un dingue. Qu'est-ce que c'est? Un appareil de réanimation. Pour moi? Pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Deborah Ballin, 9e étage. Est-ce que vous pourriez les monter et lui porter ça avec, s'il vous plaît? On demande le docteur Michael au téléphone. On demande le docteur Michael au téléphone. Donc, vous êtes un infirmier? Mais qu'est-ce qui voudrait m'emmener à la salle de télé? Ah, le voilà, monsieur Delaney. Pour l'amour du ciel. Allez, venez. Je descends. À côté de ma chambre. J'ai besoin d'aller, vous comprenez? Oui, monsieur. Les choses tout de même sont pas faciles à dire à des infirmières. Oui. Longtemps vous travaillez dans cette clinique? Oh, pas très longtemps. Mais pas encore d'habitude. Mais si. Ah bon? Je me sens plus. Non, je vais avoir un peu de retard. Ben, il faut que je m'occupe de Deborah Ballin. Elle souffre encore beaucoup après ce que ce petit salaud lui a fait. Quoi? Oh, Dieu seul le sait, mais celui qui a fait ça mérite de souffrir toute sa vie. Enfin, je me sens obligée d'être un peu son chien de garde. Je refoule les visiteurs, je filtre la presse. Je l'aide pour la faire Jeanette McLean, des trucs comme ça. Et je vais revenir après la seconde garde, ça ne sera pas trop tard. D'accord. Dis bonne nuit aux enfants. Merci.
Tu veux qu'on t'emmène dans des restaurants à la mode, sors pas avec des internes. Oh, c'est Madame Corrigan. Pas des restaurants à la mode, mais un snack bar. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais mourir. J'avais mis une robe de cocktail et ce con m'emmène dans un vulgaire snack bar. Alors pourquoi tu l'envoies à 6 heures? Le dîner méritait un, mais lui c'est un 8. Connie. Qui c'est? Faye Marcus. Pas encore. Écoute, tu dois être crevée, je fais la ronde. Merci, cette journée double va avoir ma peau. Une radio. Ah ouais, comme ça, ça ira. Et j'estime qu'une femme doit toujours se montrer au mieux de sa forme. Avec les nouveaux produits de beauté. Bonne nuit, Madame Marcus. Non, merde. Oh. J'ai eu un cauchemar. Eh bien, ça n'a rien de surprenant, après tout ce qui vous est arrivé. Je suis désolée, on a été obligés de vous changer de chambre pour une urgence. Tenez. Cette chambre vous va? Oui, elle est calme. Pas que c'est une infirmière. Faites-la bien. Qui a pu vouloir tuer cette pauvre vieille femme? Non, il faut espérer qu'on la retrouvera bientôt. Je ne sais pas, peut-être que c'était réellement un livreur. Et tout s'est passé si vite.
Bien, bah, je vais envoyer un de mes hommes avec vous, d'accord? Non, ça ne sera pas nécessaire. Si, si, je crois qu'il vaut mieux. Ça va maintenant, merci. Il faut vite te rendormir, ma chérie.
va? Franchement, je peux plus. Tu veux me garder les enfants aussi demain soir? Salut, Colt. Allez, Fred, si tu veux qu'on sorte ensemble dans la semaine? On ira au cinéma si ça te fait plaisir ou ailleurs. Ouais, d'accord. Et alors, mon effraie, avec moi? Non, mais pour qui tu te prends? Tu crois que je sors comme ça avec n'importe qui, moi? Oh, la ferme, poufias. Oh. Eh ben dis donc, tu t'attaques à tout le monde, hein? Les Noirs, les Juifs, les Mexicains. Tchou! Tu voudrais peut-être le monde entier pour toi, hein? Oui. Oui, ça me plairait. J'adore le bruit. Hé, hey, une minute! Déshabille-toi. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? T'es dingue, tu m'as fait une de ces peurs. Enlève ça, s'il te plaît. Thank you.
L'effraction et l'agression dont vous avez été victime ont un rapport avec un de vos articles ou est-ce seulement une coïncidence? Eh bien, quand le public n'est pas content, il m'envoie des lettres. D'habitude, il se défoule sur le papier, pas sur moi. Alors, je veux dire, si tout le monde mettait à exécution ces menaces, on pourrait trouver un assassin dans chaque maison. Est-ce que vous supportez les lettres de menaces? Je ne les lis pas. Pour répondre à votre question, nous ne croyons pas qu'il y ait un rapport. Grâce à l'aide de votre patron, nous avons pu voir votre émission sur l'affaire Jeanette McLean ce soir. Est-ce que vous pourrez venir pour la seconde émission? Je viendrai même si on doit me porter sur un brancard. Est-ce que votre prise de position sur la non-violence pourrait changer à la suite de votre agression? Je ne crois pas que lorsque... j'ai dit ça, j'ai eu à l'esprit la violence d'une personne contre une autre personne. Je crois que je pensais, disons en termes mondiaux, universels. Mademoiselle Baline, pourriez... On dirait que votre combat contre la violence s'est affaibli. Non. Non. Fiston? La position de Mademoiselle Baline est toujours la même. La légitime défense est notre seule protection contre la violence. Mais elle n'implique pas qu'on soit pro-violent. Pensez-vous que les tribunaux soient notre seule défense? Non, mais se défendre ne veut pas dire prendre les armes. Auriez-vous un revolver chez vous? Non. Depuis que les tribunaux sont envahis par la rue... Maman est partie, tu comprends? On semble ignorer les victimes. Que peut-on faire? Oh. D'abord, faire reconnaître les victimes. On voit de plus en plus se créer des associations, des groupements pour leur protection. Je ne sais pas où elle est, papa. On rencontre de plus en plus certaines personnes sont classées. Et dans de nombreux cas, des criminels patentés sont... Je porte le thé à ton père. Quel est votre sentiment sur tout ça? La frustration. Mais... je crois que c'est une des choses avec lesquelles il faut vivre. Je me rends bien compte que je ne suis plus dans la mer, mais si personne ne fait rien. Est-ce que vous avez eu certaines idées? D'où sort-il ça? Je l'ai trouvé dans le placard. Je lui ai montré et ça lui a fait plaisir, le pauvre. Certaines de ces émissions ont été censurées, je peux vous affirmer. Ah, laisse-nous. Que ce soit à la télévision ou dans la presse, ce genre d'initiative est toujours soutenu par l'ensemble de la presse. Eh bien, je crois que nous allons en rester là. Une dernière question. D'accord. Êtes-vous pour les groupes de vigie? Non, mais n'aie pas peur, je suis gentil. Non. Mais ne lève pas les mains, tu pourras pas boire avec les mains en l'air, voyons. Ben reste tranquille, j'envoie un bon coup à boire, Colt. Non, attends une minute. Non. Encore un coup, allons, encore un. La violence, le fait qu'attirer la violence. Il faut toujours être prêt à se défendre, mais sans aucune provocation. C'est pour moi? Mais c'est moi qui dois passer en chirurgie. Oui. Je croyais que c'était votre jour de congé. C'est exact, mais je suis venue faire un remplacement de 3 heures. Amusez-vous bien. Merci. Vous sortez les enfants? Oui. Je les emmène chez mon ex-mari. Il les a pour la fête du travail. Un travail de... C'est ce que je vais faire. Bonjour.
Bonjour. Oh, bonjour. Vous avez l'air bien ce matin. Je suis si heureuse de sortir. Je vais donner ça à la dame qui est dans mon ancienne chambre. Pourquoi vous ne laissez pas la porter pour vous? Non, je vais lui faire une visite. Bonjour. 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 Est-ce que c'est la bonne chambre? Excusez-moi. Je suis Vincent Bradshaw. Mes amis m'appellent Vinny. Bonjour, Vinny. J'ai lu ce qui vous est arrivé dans le journal. C'est pas croyable, hein? Je parie que vous allez parler de ce qui se passe aussi dans ce couloir. Où ça? À la 931. Pourquoi? Ils ont trouvé une vieille dame assassinée. Monsieur Bradshaw, mais qu'est-ce que vous faites hors de votre chambre? Vous aviez promis. Je me dégourdis un peu les jambes. Dites, il paraît qu'on va passer sur le billard en même temps. On se réconfortera. Je suis dans la chambre à côté de la vôtre. Et pourquoi aucune de vous ne m'a parlé de cette femme? Quelle femme? Quelle femme? Mais ils ont mis tout le monde dans le cou. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je vous en Qu'est-ce prie, que c'est Bali. Non, écoutez, je sors aujourd'hui. Alors pour moi, la clinique, c'est fini. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. Nous avons un petit problème. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de cette femme? Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de cette femme? Cette femme, dans mon ancienne chambre, il l'a assassinée. Il croyait que c'était moi. Mais je sais bien, écoutez, il n'est pas venu voler dans ma maison. C'est à moi qu'il en veut, je suis sûre. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je croyais pouvoir avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en moi, mais il y a des règles. Je suis obligée de les suivre, vous êtes ma patiente. Il croyait que c'était moi, et c'est à moi que ce salaud en veut. On ne peut pas le savoir. Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que c'était une femme très riche et qu'elle a des tas de parents. Qu'est-ce que c'est encore que cette bêtise? Déborah, si vous voulez faire votre émission du 29, il faut que vous passiez en chirurgie. Non! Non! S'il vous plaît, faites-moi confiance. C'est juste un tranquillisant, ça va vous détendre. Je vous en prie, confiez en moi. Oh. Tout se passera bien. Quelle saloperie. Il est ici, je le sais. Je dois m'absenter quelques heures, mais je vais revenir pour tout surveiller. M'abandonnez pas. Il est ici, je le sais. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne faites pas partie de l'équipe chirurgicale. Fichez le camp! Thank you.
Alice, tu pourrais pas rester quelques jours de plus, que je puisse sortir avant tes vacances? Bien sûr, comme ça j'ai pas à revenir chez moi. Bonne excuse. Alors, où est Brigitte? Elle s'est probablement encore cachée. Elle joue la comédie. Je vais la chercher. Non, te dérange pas, je la trouverai. Elle est pas vraiment malade. Toi, cesse de râler. Tiens. Brigitte? Brigitte? Sois pas méchante aujourd'hui. Brigitte? Viens, ma chérie. Faut pas faire ce genre de choses. Je ne me sens pas très bien. Viens ici. Tu as gagné. Tu peux rester avec Denise. Je retourne à la clinique quelques heures et je reviens. Ouais, pourquoi elle reste, elle? Parce qu'elle a de la température. Moi, j'ai mal au ventre. Bon. Allez, monte. En voiture. Attention aux doigts. Deborah Ballin, fidèle défenseur de Jeanette MacLean, s'est érigée depuis longtemps en avocat de la non-violence. Mademoiselle Ballin vient d'être brutalement attaquée elle-même. Et ce journaliste se demande si, au lieu de défendre MacLean sur le principe des libertés civiles, Mademoiselle Ballin ne va pas excuser son acte de violence comme une forme normale de légitime défense. Va-t-elle se joindre aux milliers de femmes américaines qui pensent qu'il est temps pour elles d'apprendre à se défendre contre la brutalité actuelle et en particulier celle des hommes? Non! Non, Dan! Je te préviens, non! Tu n'as pas écouté une seule chose que j'ai dite. Tu as dit que tu croyais l'avoir vue en salle d'opération. Et pourtant, non. Tu es ici et tu te portes du mieux possible dans ton cas. Oui, je sais, mais... Qu'est-ce que tu penses de cette femme qui était dans ma chambre? Et l'infirmière, qu'est-ce que tu en dis? Comment c'est explique-t-il? Certainement quelqu'un de sa famille qui l'a tué. Ne dis pas ça. Oh, Seigneur. Oh. Écoute, chérie, leur système de sécurité est très au point. Tous les visiteurs sont filtrés en bas. L'immeuble est encerclé par la police et il y a un garde devant la porte. Oui, je sais. Je sais. Les réactions à l'émission sont formidables. Il y a des tas d'articles dessus. Ça va faire une bonne publicité. Le public est à fond avec toi, c'est fantastique. Alors, concentre-toi là-dessus. Il n'y a pas plus de mal que ça? Oh si, j'ai des coups partout. Comment c'est arrivé? Je me suis cognée dans une porte. Et vous ne voulez pas dire son nom? Lisa... Ce n'est pas la première fois que vous venez au dispensaire. Ah, non. Et vous, je vous avais jamais vu? Je viens une fois par semaine. Oh, voir comment les autres gens vivent, hein? Ma chère, il n'y a pas d'autres gens. Je ne vois rien ici que je ne vois pas à l'hôpital. Vous travaillez où? Au county général. «
Cet air de compréhension va être suivi par de bons conseils avec un peu de chance. Bien, je ne les ai pas écoutés. Pourquoi le feriez-vous? Oh, vous deviez être une dure. Au bal de fin d'année, vous aviez dû échancrer votre robe. Je n'ai pas eu de robe de bal. J'attendais mon gosse et je travaillais la nuit avec mon mari. Vous savez pourquoi il m'a fait si mal? Parce qu'il n'y est pas arrivé. Eh bien, vous avez eu de la chance. Cette fois, vous vous en êtes sorti. Mais lui, il s'en sortira pas comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de la prise de position d'une vedette de la télé? Deborah Ballin? Oui. S'il y a une personne qui peut sortir Jeanette MacLean de là, c'est elle. Je crois que le procès a été plus ou moins expédié. Si Deborah Ballin la sauve, elle n'aura plus de pouvoir. Alors vous pensez que Jeanette MacLean a été agressée? Oh, mon quatrième mari m'a rossé à mort une fois. Il m'a fallu un an avant que je puisse bouger la mâchoire. Vous lui auriez tiré dessus si vous aviez eu une arme? Il faut pouvoir se protéger. La légitime défense, c'est pas pour les chiens. Été mariée? Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Et ça a été comme 3 ans en zone de guerre. Vous croyez que les hommes ont peur de vous? Oh, Seigneur, j'espère que non. Je veux parler de votre défense des droits de la femme et tout ça. Mais les droits de la femme sont les mêmes que pour tout le monde, les droits de tous. C'est de tous les êtres que je m'occupe. Je n'ai aucune émotion devant une voiture accidentée, mais je pense aux gens qu'elle transportait. J'admire une femme comme vous. Je suis toujours prête à me lancer dans une bataille. Je ne suis jamais prête pour recevoir un compliment. Merci. C'est sincère. Conduisez M. Bradshaw à la chambre 916. Eh bien, enfin, allez-y! Tout de suite! C'est une peau de vache, hein? Calcul biliaire. J'ai trop bien vécu, qu'ils me disent. Je crois tout de même que ça valait le coup. Dis donc, mais vous devez être nouveau. La 916 est à l'autre bout. La chambre de Joe Barriga. Un bon copain, vous savez. Et lui, c'est un ulcère. C'est vraiment en or, ça? Un bon investissement. Hein? Moi, 20% de ce que je possède est en or, au cas où, vous savez, un coup dur, un grand malheur ou autre chose. Ah, c'est celle-là. Entrez, venez faire la fête. Les patients extérieurs doivent être contrôlés à la réception à leur arrivée. Qu'est-ce qu'il y a? La cloche. Je n'entends rien du tout. Il est ici. Thank you.
te salue, mon petit. Je suis désolé, excuse-moi. Oh, qu'est-ce que ta mère m'a dit? Ah, non, ne fais pas de manière. Mais tu veux pas te salir, hein? Tu vois comment se fâcherait, sinon, hein? Regarde ça. Regarde ça dans la porte. Non! Dan! Je te préviens! Arrête! Je t'ai prévenu! Je veux rentrer chez moi. Tu commences à faire une petite infection. C'est pour ça qu'il tombe, mis ce truc-là. Je ne veux rien entendre, nom de Dieu de merde! Faut que j'aille à la fenêtre, j'ai besoin d'un peu d'air. Tu vas attraper froid. Ne dis plus rien, s'il te plaît. Je fais son jeu en restant à l'hôpital. Je suis là, il ne t'arrivera rien, fais-moi confiance. Tu as entendu? C'est une simple question de temps. Et là, et la sécurité. D'accord.
Allongez-vous. C'est fini. C'est Sheila. Venez. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Respirez. Respirez. Vous aviez. Vite, dépêchez-vous. De la sécurité à la 901. On demande quelqu'un de la sécurité à la 901, s'il vous plaît. Sheila, voyons, ne pleure pas. Tiens, allez, essuie-toi maintenant. Ça va aller mieux. C'est fini? Oui. Allez, maintenant. Passez au contrôle, s'il vous plaît. Dans cet hôpital, tant qu'il ne mourra attends pas. Attends une minute, pour l'amour de Dieu, donnez-lui quelque chose. Tu sais combien de pauvres gens sont morts à cause de moi? Mais c'est pas à cause de toi, mais à cause de lui. Ne te fais pas de mal pour rien. On a trouvé l'endroit où il s'était caché, on l'a mis sous scellé. Cette chambre n'est pas sous scellé, il est là, il est dehors. Déborah. Où vous croyez-vous au spectacle? Déborah, ne dis pas de conneries, tu vas rester sous terre, tu juges, je t'en prie. Viens ici. Viens ici. Veux-tu t'asseoir? Écoute, pourquoi il m'en veut à moi? Parce que tu es une femme en vue, tu es indépendante, capable de prendre des décisions qui secouent l'opinion publique. Tu déranges beaucoup de monde. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? L'affaire Janet McLean, voyons. C'est ça qui l'a motivé. Il ne veut pas que tu fasses la seconde émission. Et pourquoi il ne s'en prend pas à elle? Parce que tu as dit à l'Amérique qu'elle a raison. Tu as dit à un malade mental qu'il a tort. C'est toi le point de mire, pas elle. Tu es la cible d'un psychopathe. Je veux rentrer chez moi tout de suite. Tu ne peux pas.
Je vais rester avec toi cette nuit. Et demain matin, je te ferai sortir tranquillement. D'accord? Sheila? Je ne veux pas bouger. Tu fais la journée triple maintenant. Je sais, mais... Dis donc, il y a quelqu'un en bas qui veut te voir d'urgence. Très bien. Donna, porte ça chez Déborah Balin, s'il te plaît. Vous pouvez monter mon petit déjeuner jusqu'ici. Un appel de province pour le docteur Martin. Un appel de province pour le docteur Martin. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Il fallait que je vous voie. Je me suis rappelé que vous travaillez ici. Non, non, sur les ordres. Je ne veux rien, je suis désolée. Hé, hey, vous? Non, ça va, je la connais. Ah bon? Vous allez bien? Oui, ça va. Asseyez-vous. Je crois que... Vous devriez jeter un coup d'œil là-dessus. Où avez-vous eu ça? Chez Colt, le salaud qui m'a démoli. Je vous avais dit qu'il s'en sortirait pas comme ça. Avec des copains, on a redécoré son appartement. Ces trucs-là, ils étaient sur le mur de son placard. Il y en avait d'autres aussi. Vous savez où il habite? Ouais. Alors venez. Non, non, attendez une minute. Hein. Moi, j'ai apporté les photos, c'est tout. Écoutez, Lisa, c'est une chance que vous soyez vivante. Il a tué quelqu'un depuis? Sheila, téléphone pour toi. Prends le message. À mon avis, tu devrais répondre. Ça a l'air bizarre. Allô? Allô, qui est-ce? Allô, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il y a? Portez ces photos. Déborah Balin, chambre 903. Et vous les montrez à Gary Baylor. Et à l'officier de police qui doit être avec lui. Dites-lui qu'il faut que j'aille chez moi. Et où allez-vous comme ça? Chez Déborah Balin, chambre 903. Vous êtes une malade? Non. Monsieur, écoutez, je viens de recevoir un coup de filet. Je pense que c'était l'homme que vous cherchez. Voulez-vous, s'il vous plaît? Sergent! Demandez... Comment... Cette dame a besoin d'aide. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai reçu un coup de filet. Et je crois que c'était l'homme que vous cherchez ici. Il est chez moi. Ma fille! Il faut, je vous en prie, il faut venir avec moi. Il faut que le policier vienne avec moi. Mais dites à quelqu'un d'autre de venir alors. Écoutez, madame, si vous essayez d'abord de m'expliquer. Mon Seigneur! Pour tant pis. Madame! Désolé, ce sont les ordres. Non, non, je ne peux pas vous laisser entrer. Ah, pas pour longtemps. Je suis désolé, vous ne voulez pas attendre à ma gauche? Juste avoir des nouvelles. Mais alors pourquoi vous ne téléphonez juste pas? Juste avoir des nouvelles. Mais non, je suis désolé, madame. Non, non. Hé, hey, vous! Venez avec moi. Max, vous êtes cruel. Vous comprenez? Eh, mais on ne peut pas dire que vous êtes rapide. Emmenez-la à 903. Oh, monsieur Payne, lâchez-moi les baskets. Bon, écoutez, attendez-moi une seconde, le temps que je calme cet emmerdeur. Oh, les cons.
pose pas de questions. Va réveiller Brigitte. Attends avec elle que je vous appelle. Ne faites pas de bruit. Monsieur Baylor, allô, c'est Sheila. Vous voulez me passer mademoiselle Balin? Donnez-lui l'adresse. Prudence recommandée, l'homme peut être armé. J'ai fait demander une ambulance. L'ambulance est partie. Thank you.
Rendez-vous 17 avenue Violet. Prudence recommandée, l'homme peut être armé. Je répète, alerte à toutes les patrouilles. La lame lui a cassé une côte, mais ça lui a sûrement sauvé la vie. Allô, j'appelle voiture 8. Allô, j'appelle voiture 8. Voiture 8, veuillez contacter immédiatement le commissariat central. Vous avez regardé dans l'autre pièce? Oui, c'est flashy. Ça, c'est la fille tuée il y a deux semaines. Il y a tout un assortiment là-dedans. Oui, ça suffit maintenant. Bon sang! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nom de Dieu. Regardez, c'est un montage photo en tête de mort. Reposez-vous maintenant. Si vous voulez quelque chose, appuyez sur le bouton. Les malades sont assez nerveux comme ça ce soir. Les flics créeraient vraiment la panique. Je serais quand même plus rassurée. Mais le tableau sonne assez comme ça. Avec les flics là-haut, il exploserait.
Toi qui parles toujours, qui parles, tu vas écouter, tu vas m'écouter. Tu savais bien que je viendrais. Maintenant, tu vas écouter. C'est fini, fini de toujours parler. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu vas me sentir, ça te plaît, hein? Non, ne fais pas ça. Lâche-le. Ça veut dire? Où est-il? Oh, il a assez de problèmes comme ça, vous ne croyez pas? Où est votre mandat? Où est-il? On va s'occuper de ça. Il s'est fait une blessure très grave. On a dû appeler une ambulance. Quoi? Oui, ils l'ont emmené au Conti Général Hôpital. Allez, allez, vite, vite, vite! Qu'est-ce que t'as à nous? Vas-y, vite, vite! Radio de la poitrine tout de suite, fracture des côtes. Ils sont encore plus fermés que le Vatican en bas, même pour les flics. Demandez à Grayson d'ouvrir, elle a besoin d'une radio. D'accord, on y va. Le technicien prend un café, ramenez-le vite. J'ai vu boucler le deuxième étage. Ils doivent continuer en descendant. Il passera au travers.
Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous en prie, allez chercher tout de suite de l'aide. Vite. Ici.